pense que c'est la musique qui a fini par me tirer vers elle parce que je n'y croyais pas tant que ça. Il fallait que moi je fasse des études et donc j'ai fait ces études d'architecture, mais en parallèle j'ai toujours chanté, évolué un peu dans le milieu de l'événementiel plutôt, hein, avant de commencer à écrire mes propres chansons. Voilà, aujourd'hui je suis très très contente que la musique soit mon métier. C'est pas le plus simple des métiers, mais c'est quand même une chance de pouvoir l'exercer. Ce soir à Arabesque, je suis avec M. Carlos, qui est mon partenaire de ce projet qui s'appelle Hal. Hal, ça veut dire un état, une émotion, une situation. Les sept Hal sont la peur, la confusion, le désir, l'acceptation, le besoin d'expression, le rêve, et enfin le septième, c'est l'empathie. La rencontre avec Oum, ça s'était fait en fait suite à quand elle finit sa tournée de l'album Saravi, elle parlait de ça avant. Elle cherchait quelqu'un avec un peu mon profil, c'est-à-dire quelqu'un qui joue plusieurs instruments et qui soit un peu aussi dans la réalisation des albums, etc. etc. Donc on a commencé en fait à échanger sur l'idée de faire un nouvel projet un peu parallèle pour un peu rencontrer tout ce qui s'est passé dans ces moments. Le saxophone, c'est mon instrument parce que c'est celui-ci que j'ai fait à l'école, que j'ai fait carrière avec. Hein. Et c'est l'instrument aussi de mon grand-père, qui était prof de saxophone à Cuba. Mais après, moi j'aime beaucoup aussi le piano, c'est le premier instrument que j'ai eu la chance de toucher quand j'avais, je sais pas, 6 ans peut-être, ma mère m'a amené prendre des cours. Ça me donne en fait un peu plus d'espace pour créer, pour fabriquer des sons. Moi, je pense que dans le processus de création, et c'est bien d'expérimenter quand même des choses différentes. On a le droit, même la responsabilité en fait, de dire qui nous sommes. Et pour quelqu'un qui fait de la musique, eh ben, notre identité est aussi dans ce qu'on fait comme musique et comment on la fait, qu'est-ce qu'on met dedans. Je suis une adolescente des années 90 et j'aime le jazz. Et j'aime encore plein de choses que je vais encore découvrir maintenant. Et je veux prendre la liberté de les prendre, de les reformuler. Avant, ça me faisait un peu souffrir de ne pas pouvoir répondre à la question. Mais dites-nous, Oum, c'est quoi votre genre de musique? Comment vous pouvez... C'est quoi votre style, en fait? Et j'étais très embarrassée. Bah, plus maintenant. Je n'ai pas de réponse à cette question et je m'en sens très, très bien. Merci de votre présence, de votre oreille.